Et coucou, c'est les successeurs de Disney pour une nouvelle analyse, réaction, commentaire de fanart. Et aujourd'hui c'est Ishaya Stephens, il me semble que c'est pas la première fois qu'on fait ces dessins. Je crois que c'est, non, mais pas inconnu non. Et apparemment cette personne a fait les bébés. Les bébés, donc des princesses. Des princesses imaginer, ou des personnages. Et... on n'a pas beaucoup d'indices, donc on découvre voilà, vraiment. Voilà, juste le mot bébé. C'est pour ça qu'on dit qu'on découvre avec vous, justement. Donc on commence... On commence bien avec Grenouille qui fait pipi sur son papa. Le bébé est pas très beau, je trouve qu'il a une tête de grenouille. Et ben il est prêt à devenir si tough. Ah bah c'est, oui voilà. Alors c'est un monsieur, ils ont eu un enfant, un homme. Enfin un garçon. J'adore Tiana. Ah oui. J'adore Tiana sur le dessin, c'est génial. Par contre... putain, il est cambré. Ouais, il a des bonnes fesses. Non, c'est sympa. Ben bah, voilà, donc ils ont un garçon qui, en fait. On suppose que c'est un garçon. Bah, je pense que oui, parce que. qui fait pipi, du coup, on voit un petit jet de pipi. Enfin, gros jet de pipi. Il est très sympa. Sur son papa. J'adore le côté humour. J'espère qu'il y en aura des comme ça tout le long. Ouais, ouais, ouais. Sympa. Oh mon dieu! Je pense qu'ils vont être tous comme ça! On va rigoler, je pense. Oh non! Alors la réponse est fluide! Réponse pour dire qu'il a pu se faire repousser les cheveux. Oui, et tout à fait, et que son gamin n'a pas de cheveux pour voir. Ouais, c'est ce que je pensais! Alors, fille ou garçon, on ne sait pas, mais c'est la toilette, et Flynn a enfilé un masque. J'adore! C'est trop cool. Oh mon dieu. J'adore. Oh hey, alors c'est là, c'est pas Mélodie. Non, bah non, c'est Ariel. Enfin, oui, c'est pas Mélodie. Non, c'est Ariel. Là, c'est, je pense... Non, mais je suis fatiguée. Je pense que c'est un garçon qui descend d'Ariel. Enfin, descend d'Ariel. Je pense que c'est un garçon qui ressemble plus à Ariel que du coup Mélodie, oui. Qui ressemble beaucoup à son père. Bah oui, puisqu'elle est brune. Et du coup, bah... qui vous montre faites des gosses quoi. Je pense que ça va être ça cet épisode. J'aime bien le petit bavoir avec le... Oui le paltridon, c'est une arc. Une encre. Non mais il faut que j'arrête de parler. Et donc il a l'air d'être 4h du matin, Ariel donne à manger à son enfant et... Elle a l'air très motivée. Elle est très fatiguée. J'adore, mais ça va être sympa. Ah, il est classe celui-là. Oh, ah c'est pas humoristique et heureusement parce que j'aurais pas aimé qu'on touche à Pocahontas. Ouais. Ah, par contre j'ai cru que... Ouais, que c'était les cheveux de Steve. C'était la petite mèche. Très mignon, super maternelle. Par contre, la bouche de Pocahontas. Ah bah, elle ronfle. Et avec qui elle l'a eu? Oh non. Ne pose pas cette question. Dites-nous dans les commentaires avec qui mais, elle l'a mais eu. Mais il n'y a pas le papa, il est où le... On passe avant que la princesse devienne folle. Oh, alors, c'est mignon. Elle a pas accouché. J'adore la tête. Ah, genre selfie. Ah. Alors, Jasmine est très très enceinte. Hein. Voilà. Bah, c'est pas humoristique, mais c'est très mignon. Non, il est joli. J'aime bien. Elle s'est détachée les cheveux. Il est beau. Enfin, il y a rien de spécial à dire. J'aime bien les couleurs en fait. Il est touchant aussi. Ouais. Il est très joli. Oh. Il est moins joli. Il est moins joli parce qu'ils auraient dû mettre des couleurs qui rappellent la Chine derrière, tu vois. Pour le coup, ça fait. On a l'impression que c'est vraiment. Bah, là, elle va accoucher demain, quoi. Non, mais en fait, regarde, par rapport à Jasmine. Oui. Elle a le t-shirt quand même qui passe par-dessus. Ouais. Là, ça fait. Je sais pas. J'aime pas. T'aimes pas celui-là. Non. Ouais. J'aime bien leur visage. Ouais. Mais c'est tout. Oh. Mais pour le coup, c'est aussi un peu plus moderne parce qu'elle a vraiment un jogging. Avec qui elle l'a eu? Question qui tue. Alors, ça va être écrit pareil. Avec qui elle l'a eu? J'aime bien parce que bah, du coup, il a des pouvoirs. Les gens, ils vont dire Jack Frost, je suis sûr. Jack Frost, c'est DreamWorks. Trouvez-nous quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre de Disney. Mais c'est très mignon, j'adore. Oui. J'adore. Et bah ouais, il est. Il a des pouvoirs et tout. Bien. Oh, bah, oh, bah, oh bah, non, mais il est caché. Avec qui elle est? Non, j'ai Gaston. Oh non, s'il te plaît. Non.
C'est bizarre parce que... Bah pourquoi ils lui ont mis ce truc violet sur la tronche? Bah pour pas qu'on voie son aîné. Mais non, mais elle aurait pu juste le bercer. Ouais, mais pas non, forcément là... lui donner la tétée. Ouais, c'est vrai. Mais là, du coup, ça fait bizarre parce qu'on croirait qu'elle est dans un faux paysage. Attends. Je crois qu'il y a un truc là qui la regarde, un truc méchant, t'as vu? Waouh. Ah, tu me fais peur là. Non, mais moi aussi j'ai peur. Non, c'est bon, c'est une tâche. T'es sûr vrai... On dirait un truc bleu. Oh, un spectre dans le tableau. On dirait. Non, alors, mais... alors, comment ça va s'appeler? Pas de loin, on dirait une bête. Ouais, on dirait une tête qui avec des dents et des yeux. Et ouais. Un corbeau. Dites-nous tout si vous voyez aussi des choses. Donc, ouais, que... Oh non! Oh non! Bah, faut bien que ça arrive, hein, de toute façon. Tous les bébés qu'on avait. J'adore les mains, moi. Allez-y. Je réceptionne, allez-y. Et tu vois le pauvre Philippe, on dirait qu'il a mal avec elle. Je crois qu'il a mal à la main. Bon, bah, Aurore est en plein accouchement. Voilà, tout ouais. Va bien, il n'y a pas de sang. On verra si on voit très bientôt les bébés. Ah bah non, voilà, on ne verra pas. C'est lequel ton préféré, toi? Après, lequel ton préféré au niveau de la beauté et alors, au pas Mulan. De... et au niveau j'aime de beaucoup Aladdin par rapport aux couleurs. Ouais. Et fait rire, les trois premiers m'ont fait rire. Ouais, parce que c'est très humoristique. J'aime bien Elsa, du coup. Et Pocahontas, mais avec qui elles les ont eues? Dites-nous dans les commentaires avec qui elles les ont eues. À votre avis. Non, c'était. J'ai beaucoup aimé cette série de. Ouais, c'était vachement sympa. Bravo encore une fois, et Shaya Stephens. N'hésitez pas à aller voir tous ses dessins sur internet. On se retrouve bientôt. Salut!